qui s'y frotte, s'y pique. Ce dimanche 30 juillet 2023, Amandine Pélissard a sorti la sulfateuse pour régler, une nouvelle fois, ses comptes avec ses détracteurs. Alors qu'elle est enceinte de son 9e enfant, on lui reproche de constamment fumer et d'avoir réalisé un tatouage commun avec son mari. Attaquée de toutes parts, la célèbre mère de famille s'est voulue très claire sur la question. Explication. Voilà plusieurs mois qu'Amandine Pélissard est sur un petit nuage. Et pour cause, en novembre prochain, la meilleure ennemie de Louise Orgeval mettra au monde son 9e enfant, une petite fille qui se prénommera Maëna. J'ai tellement mis du temps à tomber enceinte que le deuxième prénom sera Désiré, a révélé sur la toile l'épouse d'Alexandre Pélissard en mai dernier. L'occasion pour elle de rendre hommage à son défunt papa, la racine du prénom de mon père, si est-il Désir, alors ça fait sens. Une nouvelle grossesse régulièrement mise en avant sur ses réseaux sociaux. Sans filtre, la maman de Léo ne cache rien à ses followers. Quitte à choquer, la star joue constamment la carte de la transparence. Par le passé, elle avait d'ailleurs évoqué sa dépendance à la cigarette. Une addiction dont elle n'arrive toujours pas à se débarrasser au grand dam de certains internautes. Alors oui, je fume, je n'ai jamais été capable d'arrêter de fumer enceinte. Néanmoins, je fume beaucoup moins que hors grossesse, donc je suis très fier de moi. Je suis passé de 30 cigarettes à 7 cigarettes, s'est justifiée Amandine Pélissard via sa story ce dimanche 30 juillet 2023. Piquée au vif, elle en a aussi profité pour faire passer un petit message à ses détracteurs, et encore une fois, que ça dérange, ben sachez que je vous ai mardi. Vous n'êtes pas ma sage-femme, ni ma gynéco, ni ma mère, ni mon mari. J'ai eu 8 enfants, je sais ce que j'ai à faire et je sais ce que les médecins me disent de faire ou de ne pas faire. Pour le coup, aucun médecin ne me conseille d'arrêter de fumer. Dans la foulée, Amandine Pélissard en a profité pour évoquer un tout autre sujet brûlant, son tatouage réalisé avec l'homme de sa vie pour célébrer leurs 13 ans d'amour. De quoi laisser perplexe une partie de sa communauté. Ça fait plus d'un an qu'on les a. Ceux qui nous suivent le savent, s'est agacée Amandine Pélissard, faussement accusée de s'être fait tatouer enceinte. Fort heureusement, la pétillante blonde peut constamment compter sur ses fervents admirateurs pour la défendre contre vent et marée. En tout cas, la créatrice de contenu a l'habitude d'envoyer paître les grands moralisateurs. Et ses sorties sur la toile et dans les médias ont le mérite de marquer les esprits. Un franc-parler qui la démarque de ses consoeurs.